C'est Caribou Canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller. On continue l'aventure du jeu Carpocalypse live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Plus d'ennuis dans Mademoiselle Carter. Non, j'ai changé mes habitudes, directrice Harding. Je suis une étudiante modèle maintenant. Très bien. Donc ça reste ainsi. La machine de détection d'extraterrestres à mon père et moi a détecté quelque chose. Nous avons observé le ciel toute la nuit. Rien, un vide profond et noir. Bizarre. Je jure que j'ai vu un champion dans la classe de Madame Wessner. Il ressemblait à Cupidon. La protectrice Sank, merci. Je suis peut-être juste malade. J'ai mangé de la cafétéria aujourd'hui. Tu as peut-être attrapé quelque chose de rag... bougri hier. Bien. Ce chien extraterrestre dégoûtant dans les supports à vélo. Tu crois que les extraterrestres, mais pas aux champions. Après en avoir vu un. Après m'avoir aidé à en combattre un. Je me souviens d'avoir combattu un extraterrestre. Ce serait cool si Cupidon était ici. J'aimerais lui parler. J'ai le sentiment qu'elle aimerait mieux t'écraser que te parler. Je ne sais pas, dans l'épisode 48, elle a dit qu'elle était une amoureuse, pas une guerrière. Jess. T'arrives avec ton personnage chez toi, ça, en chaise roulante. Cupidon est bizarre. Je parie que tu pourrais la convaincre de ne pas se battre. Ne sois pas ridicule, les Power Pets se battent toujours. J'aimerais bien. Je vais affronter tout de suite. Tu penses vraiment qu'elle est là? Ouais, j'y vais. Attention. Pas que je crois pas aux champions soient réels. Et comment étaient tes rendez-vous? Oh. C'est tellement étrange. Un bâtiment juste pour mémoriser des faits ennuyeux, les pièces pleines de chaises inconfortables. C'est affreux. Tout à fait. Tu es venu ici pour admirer mes sous-fitres péchénistres? Je suis ici pour mâcher de la gomme et de botter les fesses. Et je n'ai plus de gomme. Poétique pour un enfant faible et chété. Mais qu'importe, ton heure est arrivée. Qu'est-ce que tu penses? Malheur, destruction, ruine et une pourriture. La pierre et la mort l'emportera. Bon, moi, c'est Carte. Carpocalypse. Rapide et efficace. Il parle de moi. Mais au moins rapide. Je vais te montrer le vrai pouvoir des péchénistes. Je n'ai pas peur de tes petits serpents venimeux, visqueux. Allez, prends le bas. Regarde bien tout de suite, là. Ouais, il est paralysé tout de suite. Merde. Thank you.
Ça allait trop bien, là ça va plus bien tout. Putain. Bon. Parfait. Oh, j'ai cru que tout le monde mourrait, j'ai eu peur. Victoire! Je t'ai prévenu que les serpents ne servaient à rien. Carpocalypse. Je suppose que c'est vrai. Ce qu'ils disent, l'amour fait mal. Les tabarnak. Comment tu mesures, toi, Jess? Les règles de Power Pet changent, choisissant une. Un souffle fatal coûte une bouffe de moins. Les souffles avec ruche coûtent une bouffe de moins. Les souffles avec charge coûtent une bouffe de moins. Legendary, Phoenix. Le beau sac. Elle ne cédera pas. Elle est tenace. Elle a probablement joué à trop de jeux vidéo. Ces choses-là pourrissent l'esprit. J'ai tout lu là-dessus, Jess. Les jeux vidéo ont été inventés par la CIA pour contrôler nos esprits. Ah, tabarnak, on s'est fait prendre, esti. Je vois. Oui, incroyable. Bref, au moins j'ai sorti cette carte du jeu. Super. Ouais, les champions Power Pet sont réels. Madame? Madame Suc, c'est quoi ça? Au nom du ciel. Des cartes Power Super Pet? Ah, comment sent-elle arriver dans ma classe? Aucune idée. Qu'est-ce que c'est? Priorité de Penelope Sugar. Oh, elle joue à ça. Penelope? Qui est Penelope? Ok, écoute. Vous jouez à Power Pet? Pas si fort. Je ne peux pas y croire, ça change tout. C'est la plus grosse nouvelle dans l'histoire de Dusdale. Au moins la plus grosse nouvelle dans les 5 jours que je suis ici. Écoute, je faisais juste essayer les cartes confisquées. Bien oui, c'est super, Penelope. Alors si vous me battez à Power Pet, je garderai votre secret. D'accord, faisons ça vite avant que quelqu'un voie. Parfait, rapide et efficace. Comme Jess, faisons cela. Carpocalypse. Sois gentil avec moi, je n'ai pas souvent joué à ce jeu. Je ne tomberai pas facilement dans le panneau. Paralysant, les soufflets d'embuscade ne prend pas de dommages. Je crois que c'est une bonne carte. Putain, ça commence. J'ai perdu mes cartes. Allez.
Est-ce qu'on va gagner ou on gagnera pas? Ça garde pas bien. What? Oh, oh, je le veux de nouveau ma carte, moi, là, là. Lorsque le soufflet est joué sur une planchette de jeu, l'effet des points. Lorsque le soufflet est joué sur la planchette de jeu, il veut dire quoi ça? Hey, je comprends plus, moi, là. Hey, j'ai perdu ma carte, là, putain! Un soufflet. Je suis dans la merde, je veux vous dire. Ouf. Incroyable, je suis dans la merde au maximum. Hey, t'as fini de me gosser, toi? Qu'est-ce que ça signifie déjà? Voyons, pourquoi qu'il me frappe, lui? Et c'est la fin! Victoire! J'ai gagné! Dire à toute l'école que Madame Sugar joue à Purple. Alors j'imagine que vous devez acheter mon silence maintenant. Mr. Flight, salut! Willow, we love Marble, what's up? Athen, Feet, yes sir, Bendy Landon, oh, pas lui. C'est Chess la meilleure. À quel endroit? Est-ce que tu dirais à quelques 4 heures de Purple? Merveilleux, ça fait faire l'affaire, mais je vous surveille, Penelope. Faire face à Madame Sugar, il ne parle jamais de cela. Oh, lorsqu'un soufflet détruit la dernière soufflet ennemie, ce soufflet acquiert... Hey, ça, c'est bon, ça. Bye-bye, madame. Bon, modifier. Cette carte-là, c'est quoi? Il y a 5-5, qui veut dire 5 de dégâts puis 5 de...
C'est quoi? Retourne ce soufite dans ta main. J'ai besoin d'aide, Kudney. Heureusement, pourquoi je t'aiderais? Sérieusement. Parce que j'ai besoin que tu me conseilles sur les livres d'amour avec des vampires. Vraiment? Tu en connais qui sont vraiment pas... qui sont vraiment... je veux dire, bon? Pas si vite. Quel genre de vampire aimes-tu? Dans le genre ancien qui aime sucer le sang. Comme Jess. D'accord, des vampires avec des manches et des collets en frissant, compris? Quoi d'autre aimerais-tu dans un livre? Amour interdit. Ils doivent combattre leur envie de vampire pour être avec un être humain. Parfait, tu aimerais mordu du cœur, chronique de la chanson du cœur. Ça devient louche. Parfait, merci Courtney. Peut-être tu n'es pas une telle perdante après tout. Quel est l'intérêt de cette bibliothèque s'il n'y a même pas de un seul livre de sorts? En primeur, la nouvelle est une gigantesque menteuse. Oh. Quoi qu'il se passe à cette école, moi, agent d'inspectrice et détective en chef Anna Ings, je vais aller au fond des choses. Moi aussi, j'aime ça aller au fond des choses. C'est moi qui fais le gros de l'enquête. Plus maintenant, pourquoi ne pas t'écarter et laisser la vraie détective résoudre l'affaire? Ouais, encore. Maintenant, où est ma loupe? Je me suis écarté et j'ai perdu ta loupe, désolé. Je joue juste si tu peux commencer. Ça, là, j'arrive jamais à le battre. Lui. C'est que comme ceux-là, ils ont des affaires spéciales. Ils commencent, il y a déjà son méga, c'est triché, mais... C'est ce que je te dis. Ils ont toutes fatales ces astis de cartes, qui veut dire peu importe. Quand ils me fessent, ça me tue direct. Tiens, lui pareil, c'est une autre carte de merde. Il tue toutes mes cartes d'une shot, tu sais. Ah, c'est fatal, je pensais que c'était une... Ils ont toutes des cartes défense, je peux rien faire. Ben oui, qu'est-ce que tu penses? Maudit jeu de main. Hmm.
Venez croire au sujet des champions en Red. Si vous y croyez, y a-t-il autre chose qui compte? Ouais, dans ce cas, oui, il y a autre chose. J'aimerais pouvoir te croire, vraiment. Télé. Allez, on va dehors. On va pas être dehors encore. Cédric. Oh, ma glu, j'allais oublier l'anniversaire de Bruce. Et en fin de semaine. Alors, là, on doit y aller. Désolé, je croyais que tu étais Cédric. Mon erreur, je vais aller. Je ne rigole pas, Jess. Cette fête n'est pas une blague. Le monde pourrait s'écrouler et tu penses à une fête. La fête de Bruce. Ah ouais, tu ne sais pas? C'est quoi? Les fêtes de Bruce sont méga fameuses. L'an dernier, il y avait une promenade à cheval, des clous, une énorme piscine à balles. L'année d'avant, il avait loué un cinéma et a fait jouer les Power Pets sur grand écran. Il y avait ce gâteau géant à la crème glacée et quelqu'un a tellement mangé qu'il a dû appeler l'ambulance. Aussi génial que ce soit, on parle toujours de Bruce. La meilleure fête de tous les temps, Jess. Les gens vont en parler pour toujours. Comment sais-tu tout ça? Tu es allé à sa fête d'anniversaire? La fête est tellement énorme que Bruce invite toute l'école. Et s'il ne t'aime pas, il t'envoie une désinvitation. Seuls les plus grands ratés de Dusdale sont désinvités. Il va nous désinviter à coup sûr. Le monde pourrait finir aujourd'hui, Ced. Si le monde se termine, je ne veux pas finir comme un raté. Je veux finir enterré dans un gâteau crème glacée. S'il te plaît, Jess. C'est ma dernière demande. D'accord, d'accord, arrête de me supplier, allons parler à Bruce. Seulement parce que je suis désolé pour toi, je ne suis pas vraiment y allé. Ça va. Un gâteau géant à la crème glacée, hein? Le plus gros. De la crème glacée. C'est tellement bon, moi, je voudrais toujours en manger. On va essayer de le battre, mais je pense qu'on peut pas. Carpocalypse! Bon. Non, ça va bien. Faudrait une carte défense. Lui, il y a rien que ça, des cartes défense, c'est-tu. Game qui doit finir, j'ai même pas commencé à jouer. Méga sensuel.
toutes des cartes défense, ça pas de maudit bon sens. Je peux pas. Il y a toutes des cartes que si je les tape, je crève. Ok, 6. Ben, je suis mort, Noé. Tue-moi. Ah, y a toutes des cartes poisons, si je peux rien faire. Ah, ben oui. Bon, ben, c'était le fun, ce game-là. J'espère que tu as raison pour les Power Pets. Imagine pouvoir en dessiner un après l'avoir vu de ses propres yeux. Va-t'en, maintenant. Je me suis inspiré moi-même. Bon, c'est cool. Tu sais, je pense que tu as peut-être raison pour les Power Pets. Il se passe trop de choses bizarres pour que ce soit autre chose. Qu'est-ce qu'on va faire, Bruce? Tais-toi et laisse-moi réfléchir. Bonne fête, Bruce. Tu n'es pas invité. Invité à quoi? Ne te moque pas de moi, tu sais que tu as peur de recevoir une idée d'invitation à ma fête. Un peu peur. Les invitations ne sont pas données. Merci, Bruce. Combien? J'ai 2$ et un demi pop-top un peu mou parce qu'il était dans ma poche. Je déteste tout ça. J'ai besoin que tu me rendes un service. Quel service? Jaden est allé au sous-sol pour un pari et on ne l'a pas vu ou entendu depuis. Mais on a entendu des bruits effrayants comme un grognement. Tu dois descendre au sous-sol et voir ce qui se passe. À moins que vous me construisiez une rampe, je ne serais pas possible. Alors Cédric peut le faire. Quoi? Pourquoi Jordan n'y va pas après lui? Parce que toi et Cédric avaient besoin d'une faveur. On dirait qu'on n'a pas le choix, Cédric. Tu as raison, je dois le faire. Nous devons aller à cette fête. Fais-moi une faveur, Jess, encourage-moi. Pense au casse aux crèmes glacées. Gâteau à la crème glacée. Tu vas botter les fesses de ce qui s'y trouve. Yeah, peu importe c'est quoi, je vais le montrer. D'accord, je suis prêt, c'est parti. Merde, j'ai oublié de lui demander si je pouvais avoir ses cartes s'il meurt. Hey! Sauf Jaden au sous-sol. Oh non, ne me fais pas mal, s'il te plaît, je suis pathétique. Tes bras pourraient m'être utiles. Je pourrais les coudre sur mon ventre. Non, j'ai besoin de mes bras pour les jeux vidéo. Ce sont mes seuls bras. Et la laideur. Je ne fais pas déjà attaquer, tu n'as pas besoin de m'insulter aussi. Non, pas toi. Frankenstein. Fais de plusieurs membres, le seul et unique. Je dois récupérer ce garçon. Il est la seule chose entre moi et une montagne de gâteaux. Désolé, chérie, j'ai besoin de ses bras. Je peux te donner un pied. Ce serait bien. En pleine face. Il ne reste pas beaucoup de place sur mon visage. Attends. Carpocalypse. Tu es la seule chose entre moi et la meilleure fête au monde. Une fête, une bonne idée. Peut-être que je vais transformer tout ça en os gâteau. Non, je connais pas en toutes ces cartes, tu vois.
Le soufflet de revanche déclenche un... C'est quoi, Tirinka? Ah, c'est pas ce pire. Ah, les petits rats de Chris. Ah, tabarnak. T'es capable, ne nous distrais pas. Je suis une pédale. Non, t'es pas de pédale, relax. Si on n'a pas le mode défense, ça peut se faire. Ça peut se faire, ça peut se faire, on peut l'avoir. Pour la victoire! Tu essaies de trouver une sortie de secours, Frankenstein, mais tu as oublié à qui tu fais affaire. C'est à Cédric la face de rat. Le serpent, plutôt. Ce que j'ai gagné en membre, je l'ai perdu en dextérité. On ne se reverra plus jamais. J'ai du gâteau à manger. On a gagné? Tu as encore tes bras, non? Lève-toi. Je dois annoncer ma victoire à Bruce. Gâteau, j'arrive. Un souffle ruche gagne un point d'attaque. Un souffle ruche gagne un point de santé. Un souffle en charge gagne un point de santé. Je viens voir Bruce avec la bonne nouvelle. J'arrive, Bruce, j'arrive. Tu as réussi, Cédric? Bien sûr. Alors, Bruce, on se voit à ta fête cette fin de semaine? Très bien. Que ferais-tu là-bas, abruti? C'était effrayant. Tu vas avoir des ennuis si les gens disent que ma fête est nulle maintenant que la brigade de fous y vient. Désolé, patron. Allons, allons, nous-en. Dis merci, toi. Merci, je suppose. Pas de problème, mon grand. Tiens, partage ces trucs entre vous. Je les ai volés à des intellos. Ça ne veut pas dire qu'on est amis, rien ne va changer. Bien, je ne veux pas être ton ami de toute façon. Bien sûr, je dois aller avant que Bruce m'écrit après. Génial, double victoire. Super. Salut toi. Les autocollants font toute la différence entre le bon jeu et les excellents jeux, Jess. Ils peuvent te laisser jouer des cartes autres factions ou faire des combos d'habilités qui écraseront ton ennemi.
As-tu déjà vu un défenseur avec un autocollant mortel? Peu de gens le font et en sortent vivants. J'espère avoir encore mes autocollants dans ma trousse. Range tout, bats-toi. Et tu pourras recevoir ce que tu cherches. Carpocalypse! Regarde les autocollants, Jess. Attends, tu vas voir ce que je... est méga fou. Un défenseur, putain. Ah, me paraît que j'en ai des défenseurs. Il est capable. Excellent. T'es capable, Caribou, t'es capable. On se fie sur toi. Ah, j'ai tué mon... Merde, j'ai tué la carte que j'avais besoin. Bon, j'ai tué le défenseur. Lui, il tape de hanche, ça n'a pas de sens. Ah, oh, mais... Ah. Putain. Heureusement. Ah merde, il est même pas mort. Ah, une chance. Je pense qu'on peut le battre. Il pogne pas de carte défense. Ça va garder bien. Ah, tabarnak. La seule chose que je voulais pas voir. Je pense qu'on peut l'avoir. Ah, 9. Ok. S'il fuck pas mes cartes, je l'ai. Je t'avais prévenu. J'ai 13. Oh, tabarnak. Oh non! C'est une carte défense, je suis fini. Oh! Oh, ça a rien fait. Oh, j'ai perdu la game. S'il me frappe tout, je suis mort. Incroyable que... On a tout perdu, mais... C'est de facile, je peux pas croire. Je peux pas croire que la seule carte qu'il fallait pas qu'il sorte, il l'a sortie. Oui, j'ai compris, arrête de me faire chier.
Tiens, si je gagne pas, je fais 7, là. C'est même pas une carte défense, il est dans la merde. Il est dans la merde, ben. Tiens, victoire. Victoire, easy! Carpocalypse! Ouais, merci. Maintenant, va écraser les ennemis. Attends, tu n'as pas d'autre chose cryptique bizarre à me dire? Jadis, oui, mais maintenant, je suis vraiment la dernière chose bizarre dans cette école. Au vrai, si tu veux, je peux penser à quelque chose. Fais-le ou pas, il n'y a pas de coup d'essai. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne te réponds pas aux questions. Tu ne te souviens? Bonne chance. C'est la meilleure chanson que j'entends de ma vie. Un 4, pas de poil, Stia. Bonjour, Ruth. J'ai une faveur à te demander. Totalement, Jess. N'importe quoi pour une amie. Je peux avoir certaines des cartes Diggy Will. Vraiment? Tu veux jouer à Diggy Will maintenant? J'ai besoin d'une chose embarrassante pour jouer au tour à quelqu'un. Et les Diggy Will sont les choses les plus embarrassantes auxquelles j'ai pu penser. Quoi, sérieusement? Tu as demandé? Soupire, très bien. Prends ces cartes communes, elles ne valent rien de toute façon, comme personne ne jouera avec moi. Merci, Ruth. D'accord. Elle passe pas entre les bancs, sa chaise roulante. Je te crois au sujet des champions. Vraiment, merci, Isaac. De rien. Je peux avoir une carte. Il est tout le temps en train de bomber des cartes, ce petit Christ-là. C'est l'enfant pauvre. J'ai entendu un bruit horrible là-dedans ce matin. Je croyais que c'était Monsieur Schnorr. Oh, voyons là. Mais la pièce était vide, sauf pour une petite flaque de glu. Bizarre, non? La vie est bizarre. N'y avait-il pas un orgue dans la salle de musique? Wesh. Quoi, j'arrive toujours tôt au cours de musique. Je ne veux pas être prise avec les triangles. La performance devant l'école hier était fantastique. Performance? Les powerpets sont réels. Je salue ton engagement vers ton rôle. Bon. Nikki, tu peux vraiment mettre une habilité à l'épreuve, tu crois pouvoir me battre? Et si je disais qu'il n'y a à avoir deux sous-fits en jeu par joueur, je pense quand même pas que je pourrais gagner. Allez. Quoi ça? On peut rien qu'avoir deux gars, je viens de comprendre.
Ouais. Ok. Dégueulasse. Il y a juste des cartes défense, ce style-là. Encore une autre carte défense, incroyable. Oh mon dieu. Ah, tue-moi, on va sauver du temps. Alors c'était tout pour l'aventure du jeu Cardpocalypse, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!